Sur le lieu même de l'incendie se pressaient des spectateurs accourus de tous les coins de la ville. Les uns aidaient à éteindre le feu, d'autres regardaient en amateurs. Un grand incendie, la nuit, fait toujours une impression excitante et joyeuse. C'est là-dessus que se fondent les feux d'artifice. Mais alors les feux se disposent selon de beaux dessins réguliers et dans leur sécurité absolue, produisant une impression enjouée et légère, comme celle qu'on éprouve après une coupe de champagne. Autre chose est un véritable incendie. Là, l'épouvante et tout de même un certain sentiment de danger personnel, s'ajoutant à cette impression joyeuse que produit un feu nocturne, provoquant chez le spectateur, bien entendu pas chez le sinistré lui-même, une certaine commotion du cerveau et comme un appel à ses propres instincts de destruction. Instinct que recèle, hélas, l'âme de chacun, même celle du fonctionnaire le plus humble et le plus chargé de famille. Cette sombre sensation est enivrante.